Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous. Donc on se retrouve encore au nom de Yeshua de Nazareth. Nous sommes là encore pour partager sa parole. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien, va nous enflammer, va nous remplir de son esprit. Car sa parole dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Waouh! Quelle espérance que nous avons, frères et sœurs. Quelle espérance, papa, prends le contrôle, papa, de ce temps de partage. Seigneur, que ton esprit, papa, Père de gloire, prenne le contrôle, Seigneur, mon roi. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth, papa, Père de gloire, que les plans de l'ennemi soient brisés contre nos vies, papa. Seigneur, que tes enfants que nous sommes, papa, soyons édifiés, papa, encouragés, papa, et qu'on puisse se préparer au salut, au nom de Yeshua. Alléluia. Donc, frères et sœurs, bonsoir à tous, bonsoir à tous les frères et sœurs qui nous suivent. Et donc, on bénit le Seigneur pour son salut qu'il nous offre. On lui rend grâce, on lui donne toute la gloire pour toute l'œuvre qu'il a pu faire dans nos vies, tout ce qu'il fera encore jusqu'à son retour. Alléluia. Et j'aimerais ce soir encourager nos frères et sœurs, j'aimerais nous encourager à ne pas perdre l'objectif, à ne pas perdre le ciel de vue, parce que le Seigneur ne ment pas, le Seigneur revient. Et nous croyons que voilà qu'il a la porte, qu'il a la porte. Au temps de Paul, c'était déjà la fin. Paul pensait que Yeshua allait revenir à son époque. Waouh! Et 2000 ans sont passés, Yeshua n'est pas venu, il n'est pas encore revenu. Mais la prophétie va s'accomplir. C'est-à-dire qu'il reviendra quand même, il reviendra. Et je crois que même si nous on ne le voit pas cette génération, il viendra quand même. Voyez? Parce que le Seigneur a donné sa parole. Mais on espère quand même que notre génération le verra. On ne connaît ni le jour ni l'heure, mais on espère, voilà, vivre l'enlèvement. Même si on meurt, on va quand même au ciel aussi, au nom de Yeshua. Donc n'ayons pas peur, ne craignons pas la mort. Car beaucoup de frères et sœurs craignent la mort, craignent ben, la mort. Alors en vérité, le Seigneur nous dit de ne pas craindre la mort, car celui qui meurt vivra. Voyez, lorsqu'on meurt en Yeshua, on vit. Alléluia. Quelle espérance! C'est vrai que la chair est faible, mais avec Yeshua, avec l'Esprit Saint de Yeshua en nous, on a la capacité de ne pas avoir peur, parce que l'Esprit est en nous. Alléluia. Parce que Yeshua a vaincu. Et ce soir, je veux nous encourager. Je veux encourager mes frères et sœurs. Je veux aussi m'encourager en même temps à nous dire de tenir ferme. Car le Seigneur nous a éclairés. Personne ne peut venir au Seigneur, nul ne peut venir au Père que si le Seigneur ne l'attire. Voyez? On peut prêcher la parole aux gens, on peut proclamer la parole aux âmes, on peut faire tout ce qu'on veut, il faut le faire. Mais c'est le Seigneur qui touche les cœurs, c'est le Seigneur qui ôte le voile qui aveugle cette génération. Nous sommes dans une génération qui est complètement aveuglée. Les humains pensent trouver le Seigneur, on le dit toujours, on le redira encore, dans la religion, alors que le Seigneur se révèle. Le Seigneur n'est pas une religion. Notre Créateur, c'est une relation. C'est un cœur à cœur. C'est une vie. Alléluia. Waouh! Quelle espérance qu'il nous a donnée. Quelle joie. Quel miracle, mes frères et sœurs, qu'on ait pu donner notre vie au Seigneur. Car la parole dit que beaucoup sont appelés, mais il y a très peu d'élus. Très peu acceptent le ciel. Très peu acceptent l'évangile. Très peu acceptent ce message du salut. Ce message qui libère. Alléluia. La parole du Seigneur est un message qui brise les chaînes. L'évangile est la parole du Créateur qui brise les chaînes du péché, qui brise les chaînes de l'enfer, qui sont liées dans tout cœur qui n'ont pas le Seigneur. Tout cœur, tout homme, toute femme qui n'a pas l'évangile est lié par les ténèbres. Et la parole est venue, l'évangile est venu pour briser les chaînes, pour briser les chaînes de la captivité, afin qu'on soit libre. Alléluia. On bénit Yeshua, car il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous rendre libres, pour nous affranchir du mal. Ah, papa, merci, papa. Magnifique est son nom. C'est pour cela que lorsque nous sommes déliés, lorsque nous sommes détachés, le Seigneur, il monte sur nous, tel l'anneau. Il monte sur l'anneau que nous sommes et il nous emmène là où il veut. Alléluia. Waouh.
C'est pour cela qu'il arrive un temps où chaque enfant du Seigneur, chaque élu du Seigneur, le Seigneur appelle ses enfants. Il appelle ses enfants parce qu'il veut monter sur cet anneau que nous sommes. Tu es l'anneau. Nous sommes l'anneau. Et le Seigneur a besoin de toi. Oh oui, il a besoin de toi, mon frère. Le Seigneur a besoin de toi, ma sœur. Oh oui, il a besoin de tes membres. Il a besoin de ton corps. Alléluia. Car il veut que sa parole se véhicule. Il veut que l'évangile se véhicule. Il veut que le royaume puisse se véhiculer à travers ta vie. Alléluia. Magnifique. Il est glorieux, Yeshua. Merci, papa. Tu voyais? Voilà le message de l'évangile. La libération du peuple. La libération. Il est venu nous arracher de l'Égypte. Il est venu nous arracher de Pharaon. Nous arracher du joug, de la pression. Alléluia. Il nous arrache, il t'arrache. Alléluia. Yeshua, Jésus est son nom. Le sauveur de l'humanité. Il est incontournable, il est incomparable. L'homme de Galilée. Magnifique est sa parole. Il est la lumière du monde. Il est venu pour nous éclairer. Yeshua de gloire. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, il veut te dire de te lever. Ce soir, il veut te dire de te lever dans la prière. De te lever dans sa parole. De te lever dans l'esprit. Lève-toi. Alléluia. Car il revient. Et il veut t'enflammer. Alléluia. Il veut t'enflammer, mon frère. Il veut te remplir de son amour. Il veut te remplir de l'espérance. De sa folie. Et nous sommes dans ce temps où beaucoup parlent de la folie de Yeshua. Cette folie véritable. Car la parole le dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oh oui, nous sommes une folie pour cette génération. Nous qui avons cru au Créateur, nous qui avons cru à la lumière du monde, nous sommes devenus folie aux yeux de cette génération. Pécheresse. Waouh. Voyez, notre Seigneur est vivant. Et c'est cette relation qu'il désire avec notre cœur. Cette relation, mes frères et sœurs, l'intimité, un cœur à cœur. Il veut te convaincre encore. Il veut te convaincre, il veut nous convaincre encore de le suivre, de ne pas abandonner malgré les combats, malgré la maladie, malgré la pression, malgré tous les combats qu'on vit. Il veut encore nous convaincre dans ces temps derniers qu'il est le véritable chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Waouh! Merci Seigneur. Waouh. Et dans ce temps que nous vivons actuellement, il est en train de nous réveiller. Il est en train de nous réveiller. Il est en train de nous rallumer. Alléluia. Waouh! Son esprit va nous visiter. Comme à la Pentecôte, l'esprit va encore descendre. Oh, il est déjà descendu, hein. Mais en fait, le Seigneur ne meurt. En fait, il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Donc, il va nous régénérer. Il va de nous. En fait, plus on va aller, plus il va nous régénérer. Plus il va nous allumer. Plus il va nous remplir de son esprit. L'Esprit Saint. Car sans l'Esprit Saint, on ne peut pas parler de sa part. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas tenir ferme. Sans l'Esprit Saint, quelle œuvre peut-on faire pour Yeshua? Waouh! Glorieux est son nom. Son nom est la résurrection. Son nom est la vie. Et tu as besoin de cette vie. J'ai besoin de cette vie. Cette vie en abondance. Voilà pourquoi on a besoin d'être en relation tous les jours avec cette vie. Waouh! Car en étant en relation avec cette vie, il suscite la foi en nous. Waouh! Voilà pourquoi notre foi, le Seigneur veut la booster encore. Le Seigneur veut booster notre foi. Cette foi que le diable attaque, cette foi que le péché attaque, cette foi que le monde attaque, cette foi que les hommes attaquent, le Seigneur veut la booster encore. Car c'est notre foi qui va nous faire triompher de ce monde. C'est la foi en Yeshua qui va nous faire œuvrer pour le Seigneur. La foi véritable. La foi que Pierre avait, la foi que Paul avait, la foi que les enfants du Seigneur dans l'ancienne alliance, là, cette foi-là, voyez, cette révélation-là qu'on a besoin. Où sont les fils d'Élohim? Où sont les filles d'Élohim? Là, cette génération attend la révélation
des fils et des filles d'Elohim, de Yeshua de gloire, les fils du Créateur, ses fils et ses filles qui sont dans la sainteté, ses fils et ses filles qui sont fermes, ses fils et ses filles qui œuvrent pour le royaume, qui font avancer le royaume, qui ne s'arrêtent pas de faire avancer le royaume, qui ne s'arrêtent pas de répondre la parole, le vrai message, ce message qui conduit vers le ciel, ce message qui conduit vers le Seigneur. Le Seigneur est en train de détacher les anneaux, car il a besoin de toi quelque part. Là où tu es figé, là où tu es statique, là où tu es attaché, le Seigneur veut te détacher parce qu'il a besoin de toi. Il ne t'a pas appelé pour être attaché, il ne t'a pas appelé pour être lié, il t'a appelé pour le suivre. Partout, il va t'emmener. Alléluia. Car le temps est proche. Le temps est proche. Le Mashiach est à la porte. Et le Seigneur appelle son peuple. Le Seigneur appelle son église à être à la brèche. À être à la brèche. À attendre les directives. À prier pour avoir les directives du Seigneur. Quelles directives le Seigneur t'a-t-il donné? Quelles sont les directives que tu as eues? Waouh! On va faire Matthieu 10. Et ayant appelé à lui ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs. Waouh! Nous avons reçu cette autorité. Nous sommes ses disciples et nous avons reçu cette autorité sur les esprits impurs. Cela veut dire que tu as l'autorité, mon frère, ma soeur, pour chasser les esprits qui t'embêtent. On a reçu l'autorité pour chasser la maladie. On a l'autorité pour chasser tous les pensées impures. On a reçu l'autorité pour chasser le péché, pour vaincre le péché. On a reçu l'autorité pour tenir ferme. Parce que la parole dit que Yeshua a tout accompli. Sa mort sur la croix, eh bien, c'était l'accomplissement, mes frères et sœurs. L'accomplissement. Il a tout accompli. Mais pour cela, pour entrer dans l'accomplissement de ce qu'il a opéré sur la croix, nous devons nous lui donner notre cœur, lui donner entièrement notre vie, nous abandonner à Yeshua. On doit mourir à soi-même, on doit mourir au mensonge, on doit mourir au péché, mourir aux pensées impures, mourir à la chair. On doit délaisser ces choses et laisser le Seigneur nous envahir. Et laisser l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, nous envahir. Afin que le Seigneur puisse faire ce qu'il veut avec tes membres, avec ta vie. Waouh! On doit encore mourir à soi-même. Mourons à nous-mêmes. Parce que le Seigneur veut opérer à travers son peuple. Il veut que tu sois mort à toi-même. Mort à moi-même. Que je meure à moi-même. Parce qu'on est trop vivant. Parce qu'on pleure trop. On se plaint trop. On est trop dans la plainte. On doit laisser le Seigneur prendre la place en nous. Parce que beaucoup meurent. Beaucoup de cette génération meurent. Et où est l'église? Où est l'église de Yeshua? Cette église que Yeshua a mise à part. On ne doit pas être ébranlé avec le monde. On ne doit pas mourir avec le monde. Le Seigneur nous a appelés à sortir du monde. Afin de ne pas participer à ces fléaux. Afin de ne pas participer à ces jugements qui arrivent sur cette génération. Mon frère, ma soeur. La foi. Et nous sommes dans cette génération où le Seigneur est en train d'équiper ses élus. Il équipe ses élus. Et les élus du Seigneur vont aller apporter le message, le jugement, la terreur du Mashiach, mes amis. Le salut du Mashiach. Ils vont proclamer la parole sans crainte, sans tremblement, sans avoir peur du regard des hommes. Ils ne vont pas diluer le message de la parole. Ils parleront tel que l'Esprit Saint leur dira de parler, d'interpeller, de crier qu'il revient, de crier la repentance. Où est ce cri de la repentance? Où est ce cri de la repentance? Église, Yeshua nous appelle à crier la repentance, à crier son retour, car beaucoup meurent et vont l'enfer.
beaucoup meurent et périssent. Beaucoup meurent et sont séparés éternellement de la vie éternelle. Yeshua nous a appelés afin que le monde reconnaisse sa grandeur. À travers nos vies, on doit reconnaître la grandeur du Mashiach. À travers nos vies, on doit reconnaître la puissance de Yeshua. Que Yeshua est vivant, que Yeshua est saint, que Yeshua est ressuscité des morts. Waouh, il est sorti d'entre la mort. Il a roulé la pierre s'est roulée. Il est sorti du tombeau parce qu'il est le Mashiach, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et ses yeux sont en flamme de feu, de sa bouche sort une épée, le Mashiach. Alléluia. Le Mashiach. Le Mashiach est debout, mes frères et sœurs. Le Mashiach est debout pour son peuple. Il est debout pour ta vie. Il est debout pour ma vie. Il ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Il est debout pour ta vie, mon frère. Il faut que tu l'invoques parce qu'il t'entend quand tu l'adores. Il t'entend quand tu le pries. Il t'entend et il est prêt à agir dans ta vie. Continue à prier. Continue à persévérer. Et le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te remplir. Le Seigneur va se révéler à toi. Toi qui pleures, toi qui cries, toi qui es dans ce lieu compliqué où tu es, dans ce pays compliqué où tu es, où il y a des terreurs, où il y a la mort, où il y a la guerre. Le Seigneur te dit qu'il te voit, qu'il est avec toi, mon frère, ma soeur. Ne lâche pas. Il dit quoi, Matthieu 10, au verset 1? Et ayant appelé à lui ses disciples, ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs. Tu as reçu l'autorité, mon frère, ma soeur. Nous avons reçu l'autorité parce que Yeshua a vaincu le mal, il a vaincu les ténèbres. Donc tu as l'autorité de prier. Dans la prière là, tu dois déclarer des choses. Dans la prière là, tu ne dois pas être timide. Dans la prière là, tu dois proclamer des choses. Parce que le Seigneur veut briser des obstacles. Le Seigneur veut briser des chaînes. Dans ta famille, dans ta vie, il veut briser des choses que l'ennemi a semées. Voilà pourquoi tu dois te lever, tel un guerrier dans la prière, tel une guerrière dans la prière, et proclamer selon l'Esprit du Seigneur. Proclame dans la prière. Oh là 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 là. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans la prière, l'Esprit Saint là va t'enflammer. Il va t'enflammer. Qui pourra t'arrêter avec l'enflammement que tu vas avoir là? Le Seigneur doit te dire, va dans la prière, va dans la chambre là, va dans la chambre haute là, parce qu'il veut t'enflammer. Alléluia. Il veut enflammer tes entrailles, il veut enflammer ta bouche, afin que tu prophétises, afin que tu proclames, alléluia, que tu proclames les oracles, que tu proclames la vie. Waouh! Il veut retirer en toi la peur des hommes. Retirer en toi la peur du regard. Cette peur-là qui te paralyse. Cette peur-là qui te paralyse. Il va chasser cette peur en toi-là. Et il va t'emmener dans l'assurance. Dans l'assurance. Dans l'assurance. Tu seras méconnaissable. Voilà pourquoi il te dit, demeure dans la prière. Car c'est là que tout se passe. Dans la chambre haute, c'est là que tout se passe. C'est là que l'enflammement se passe. Alléluia. Il va t'enflammer. Il va t'enflammer. Regarde comment il t'enflamme là. Regarde comment le feu là t'enflamme ce soir. Cette onction pour aller parler. Cette onction de Yeshua est en train de t'enflammer. Alléluia. Le feu descend dans ta maison ce soir. Oh là 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 là. Il t'enflamme. Il est en train de t'équiper. Voilà pourquoi le titre de ce message, c'est que le Seigneur est en train d'équiper ses élus. Il est en train d'équiper ses élus. Alléluia. L'équipement pour le travail de la dernière heure. Il est en train de t'équiper. Alléluia. Voilà pourquoi les enfants du Seigneur doivent être attentifs à ce que Yeshua leur donne. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur va te parler par rapport à un travail bien précis que tu vas devoir falloir faire pour son royaume. Ne sois pas distrait. Alléluia. Ne sois pas distrait. C'est pour cela que si le Seigneur te dit qu'il vient te détacher, qu'on ne te retienne pas, parce que c'est le Seigneur
qui t'appelle, il te détache. Et le détachement du Seigneur va amener la confusion. Beaucoup ne sauront pas que c'est le Seigneur, alors que c'est le Seigneur qui te détache pour t'emmener dans un champ bien spécifique, afin que tu sois à l'écoute de son esprit. Oh oui, à l'écoute de son esprit. Car tu es trop distrait. Et il va venir amener la séparation, parce qu'il veut te communiquer des choses. Il veut te communiquer des trésors. Il veut te communiquer sa pensée. Voilà pourquoi il va amener la séparation. Une séparation qui va faire mal. Mais c'est pour ton salut et c'est pour son royaume. Car le Seigneur est jaloux. C'est un Elohim. Il est jaloux, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi on ne doit pas donner la gloire. On ne doit pas donner la gloire du Seigneur. On ne doit pas voler la gloire du Seigneur plutôt. On ne doit pas voler la gloire du Seigneur. Et nous sommes aussi la prunelle de ses yeux. Voilà pourquoi le Seigneur, il regarde ses élus. Il regarde ses fils. Que rien ne puisse prendre la première place dans leur cœur. Que rien ne prenne la première place dans ton cœur. Parce que le Seigneur est un Elohim jaloux. Waouh! Ayant appelé à lui ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Oh oui, impose les mains malades. Arrête d'appeler tout le temps les pasteurs. Arrête d'appeler toujours quelqu'un. Toi, expérimente le Seigneur. C'est le temps pour l'Église d'expérimenter Yeshua. Yeshua mort et ressuscité. Yeshua qui est prêt à agir dans ta vie. Il est temps que tu saisisses cela. Il est temps que l'Église saisisse cela. Mon frère, ma soeur, saisis cela. Que tu as reçu cette autorité pour imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Waouh. Alléluia. Verset 6. Il dit, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. D'abord, il était venu d'abord pour Israël. Mais Israël, beaucoup n'ont pas cru en lui. Donc, Yeshua s'est tourné vers les nations. Il s'est tourné vers toi, Sénégal. Vers toi, Afrique. Vers toi, les îles. Vers toi, Amérique. Vers toi, Russe. Vers toi, France. Vers toi, les nations. Il s'est tourné vers les nations. C'est pour cela que nous proclamons l'évangile pour les nations. Voilà pourquoi cette vision, le Seigneur a donné le nom évangélisation des nations. C'est pour crier évangéliser pour les nations. Alléluia. Parce que Yeshua revient chercher les nations, son peuple qui sont dans les nations. Alléluia. Ce n'est pas un peuple bien spécifique qu'il revient chercher, mais il revient chercher les nations. Alléluia. Waouh. C'est pour cela que tu dois évangéliser les nations. Proclame la parole pour les nations, mon frère, ma soeur. Les nations. Car les nations ont besoin d'entendre cette parole. Car dans ce monde, il n'y a que chaos. Il n'y a que désespoir. Tout est à la ruine. Tout est ruine. Tout est mort ici. Tout est désespoir. Tout est crime. Tout est corruption. Regardez le monde. Corruption sur corruption. Il n'y a pas un pour sauver un ici. Il n'y a que Yeshua qui peut nous sauver. Voilà pourquoi on ne doit pas perdre Yeshua de vue pour cette génération. Voilà pourquoi quand on n'est pas chez nous ici, il faut bien parler ici. Il faut bien parler, bien crier, bien annoncer le message, l'évangile. Waouh. Verset 7. Et en allant prêcher en disant, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades. Rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandale, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelle ville ou village où vous entrerez, informez-vous qui y est digne. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous soyez, vous que vous partiez de là. Et en entrant dans la maison, saluez-la.
Et si cette maison en est digne, en effet, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Beaucoup n'iront pas au ciel. Beaucoup ne croiront pas en l'évangile. Ça fait mal. Beaucoup vont adorer plus leur système, plus leur religion, plus le monde, qu'adorer Yeshua de Nazareth. L'amour du Seigneur. Le monde n'aime pas le Seigneur. Le monde n'a pas l'amour du Seigneur en eux. Le monde n'est pas enfant du Seigneur, mais est seulement créature du Seigneur. Seulement ceux qui reçoivent Yeshua deviennent enfants du Seigneur, comme le dit la parole dans Jean 1, 12. Enfants du Seigneur. On n'est pas n'importe qui. Hein. On n'est pas n'importe qui. Hein. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il est mort sur la croix pour nous racheter à un grand prix. Waouh! Donc voilà pourquoi il ne faut pas encore devenir encore esclave du péché. Mais esclaves, nous sommes de Yeshua, de la vie, du prince éternel. Alléluia. Bientôt on va le voir. Hein. Bientôt on verra sa couronne là. Bientôt on verra ses yeux de flamme de feu. Bientôt on verra sa démarche. Bientôt on verra, oh là là, sa tunique. On verra son visage. On verra, wow, notre papa, mon époux d'amour, l'homme de Galilée. On n'a pas encore vu Yeshua, mais on prend des risques pour lui. Alléluia. Des risques terribles. C'est ça la foi. La foi, c'est prendre des risques. Pierre a pris le risque d'aller marcher sur l'eau. Mais après, il a coulé la foi. C'était un peu compliqué par moment. Mais parfois, notre foi, là, elle est un peu. Des fois, c'est compliqué. Parce qu'on est humain. On connaît nos faiblesses. Oh oui. Que nous sommes faibles plutôt. On est faibles. Notre foi est attaquée tous les jours. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit ce soir-là. Il nous dit que notre foi là soit inébranlable. Alléluia. De continuer à marcher sur l'eau. Oh oui. Va pas sur l'eau pour marcher sur l'eau. Hein. C'est pas de manière comme ça là, il faut aller marcher sur l'eau. Hein. Il faut comprendre le message. Parce qu'il y a des gens qui vont marcher sur l'eau, ils vont se noyer, ils vont mourir, ils vont aller en enfer. C'est pas ce que le Seigneur a dit de faire. Il n'a pas dit d'aller marcher sur l'eau, etc. C'est pas ça. De marcher sur cette génération en fait. Voilà. De marcher sur les scorpions et les serpents. De marcher sur les tempêtes. Oh oui, même si la mer se lève là, tu marches dessus. Alléluia. Si les problèmes viennent, tu marches dessus. Oh. Parce que tout est fait pour nous perdre dans ce monde. Mais le Seigneur équipe ses élus. Il nous équipe. C'est-à-dire qu'il nous équipe pour ne pas tomber dans le péché. Oh oui. Il nous équipe pour ne pas perdre l'espoir. Il nous équipe pour continuer à faire l'œuvre qu'il nous demande de faire. Il nous équipe pour être un témoignage pour cette génération. Alléluia. Et je crois que dans cette génération, on sera contraint par l'esprit de se lever encore. On sera contraint, poussé par l'esprit, à mes amis, à mes frères et sœurs, à prophétiser. Jérémie a dit, Seigneur, je veux pas, mais oh, dans mes entrailles, il y a comme un feu, il y a un feu là-dedans. Parfois, je me dis moi-même aussi, oh, c'est bon, j'arrête. Frère, il y a un feu qui est là. Le feu te pousse. Tu peux te dire des fois, oh Seigneur, j'arrête tout. Oh Seigneur, tu vois les critiques. Oh, tu vois, Seigneur, tout ça. Oh, les hommes, Seigneur. Oh, ceci, cela. Oh, Seigneur. Le Seigneur te dit, je t'ai envoyé, tu vas. Ce n'est pas aux hommes que tu as rendu compte, c'est à moi. Voilà pourquoi le Seigneur va disqualifier beaucoup. Beaucoup seront disqualifiés. Beaucoup vont être disqualifiés. C'est une réalité. Comme Gédéon, qui allait à la guerre. Beaucoup sont venus, beaucoup seront retournés à la maison. Ils n'étaient pas prêts pour la guerre. Non. Seulement 300 hommes, 300 personnes ont été qualifiés par Yeshua pour aller à la guerre. Beaucoup veulent servir le Seigneur. Mais lorsque les pressions arrivent, lorsque les combats arrivent, lorsque les incompréhensions arrivent, lorsque le monde se lève contre eux, ils vont abandonner. Lorsque les femmes, les hommes viennent, ils vont tomber dans le péché. Lorsque toutes sortes de formes de péché, de corruption viennent, ils vont se corrompre. Le Seigneur ne peut pas les envoyer. Oh non! Car nous passons des tests chaque jour. Le Seigneur nous met à l'épreuve. On est tout le temps à l'épreuve. Nous sommes constamment à l'épreuve.
nous devons constamment gravir les montagnes. Et beaucoup stagnent à une certaine hauteur au lieu de désirer aller plus loin avec le Seigneur. Oh là là. C'est pour cela que la vie chrétienne, notre marche, c'est une marche qui est difficile. Une marche qui est mêlée de toutes sortes de combats. Tel le film qu'on a pu diffuser l'autre fois. C'est un film là qui nous parle par rapport à notre marche. Notre foi qui peut paralyser. Paralyser, on veut plus le bout. Paralyser. Voilà pourquoi nous devons nous battre. La parole dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. On doit être violent, mes frères et sœurs. On doit avoir ce caractère de violent. Pas la violence, il faut taper, hein, comme vous le savez très bien. Mais la violence t'a déterminé. Non, 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 non. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Tu sais ce que la Bible dit. Tu sais ce que Yeshua t'a révélé. Oh oui. Oh oui. Et c'est ce temps, mes frères et sœurs, où nous devons prendre courage. Prendre courage. Et nous devons être dans l'unité, les enfants du Seigneur, dans l'unité pour que ce royaume avance. Car le royaume, c'est l'essentiel, c'est le plus important. C'est le royaume du Père, c'est le royaume du Maître. Alléluia. Alléluia. Waouh. Voyez, nous sommes à la fin. Le jugement arrive. Et le Seigneur ne va pas nous envoyer proclamer un message qui caresse la chair des hommes. Nous sommes dans ce temps où ça a toujours été le même message que le Seigneur a donné. Un message tranchant. Un message qui détache les cœurs du péché. Ce message qui réveille. Alléluia. Alléluia. Ce message... Oh là 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 là. C'est de la dynamite. L'évangile là, c'est de la dynamite. C'est puissant. Waouh. La puissance de l'évangile. Waouh. C'est pour cela que le Seigneur va saisir des hommes, des femmes. Ils seront des missiles, des fleurs. Oh, il n'y a même pas de mots pour qualifier cela. Mais ça va être terrible. Les païens seront terrifiés. Oh oui, parce qu'ils verront la terreur. Ils verront leur péché les condamner. Ils verront leur mauvaise vie les condamner. Et ils vont grincer des dents comme les pharisiens. Grincer des dents par rapport à la sainteté que le Seigneur a déposée en toi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu vois les gens ne sont pas contents contre toi. Quand tu vois que les gens sont irrités contre toi. C'est parce que tu vis la sainteté. Tu es dans la sainteté. Alléluia. Ne laisse personne te ramener le péché chez toi. Oh oui. Si quelqu'un vient chez toi, il ne veut pas mettre sa musique du monde chez toi. Non, 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 non. Que les gens là, quand ils viennent chez toi là, ils doivent se plier à ton mode de vie. Oh oui. Pas de péché chez toi. Pas de musique du monde. Pas de... C'est la sainteté chez toi. Voilà. Chez toi, c'est chez toi. Chez toi, c'est ton périmètre. Donc ne laisse pas les gens venir ramener n'importe quoi chez toi. Oh non, 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 non. Même les cadeaux, tout ça, faut attention aux cadeaux. Les cadeaux, tout ça, là, voilà, faut pas courir après les cadeaux. Voilà, parce que tu es l'élu, parce que le Seigneur veut t'équiper. Et l'ennemi veut nous déséquiper. Voilà pourquoi faut faire attention aux cadeaux. Il y a quelqu'un là, Jésus. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un là. Tu as reçu beaucoup de cadeaux. Des cadeaux bizarres. Des cadeaux, on t'offre des cadeaux. Il faut que tu jettes ça là. C'est pas de... T'as même pas prié en plus pour savoir si c'était du Seigneur. T'as même pas prié. Quelqu'un il veut toujours t'offrir des cadeaux. Toujours veut te donner des cadeaux. Comme s'il t'aime plus que Yeshua. Tu sais qu'il y a un problème? Il y a un problème? Cadeau sur cadeau. Ou pas, il y a un problème. Il y a un problème dedans. C'est pour cela qu'il ne faut pas courir après les cadeaux. Quel cadeau est ça? Moi, je n'ai pas besoin de cadeau de personne. Quel cadeau? Mon cadeau, c'est mon salut. Mon cadeau, c'est Yeshua. Alléluia. Voilà. On n'est pas temps pour courir après les cadeaux. Quel cadeau est ça? Oh mon anniversaire, quel anniversaire est ça? Oh Noël, quel Noël est ça? Quel cadeau est ça? Si tu veux donner des cadeaux à tes enfants, donne-leur des cadeaux tout au long de l'année. Bah oui. Voilà les élus. Les élus du Seigneur là, ils ne vivent pas, ils ne pensent pas comme le monde. Tu ne vas pas mourir parce que tu n'as pas
Est-ce que 24 décembre, 25 décembre, t'as pris un cadeau? J'ouvre la parenthèse, je me laisse conduire. Parce que t'as pris deux cadeaux le 24 décembre, 25 décembre, qu'il faut commencer à faire la tête. C'est un jour comme tous les autres jours. Et en plus, c'est Corona, c'est le chaos. C'est une fausse joie, ça. Ils vont mettre des lumières partout. Ça, c'est l'aveuglement, ça. Oh là 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 là. Tu vois pas qu'il y a un problème? Chaque année, même problème. Noël, une joie de deux jours après, c'est reparti. La vie de tous les jours. Vous voyez pas, c'est misérable, ça? Cette vie misérable. Des lumières partout alors que le monde est dans le chaos. Le monde est dans le chaos total. Voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à ce monde. Il ne faut pas s'attendre aux fêtes païennes. Tout ça là, c'est des fêtes païennes. C'est écrit dans Jérémie 10. Jérémie chapitre 10. Tout ça là, fête païenne, fête mondaine. On ne doit pas prendre plaisir à tout ça. On ne doit pas prendre plaisir à toutes ces fêtes païennes. Non, 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 non. On doit prendre plaisir aux noces qui arrivent. Alléluia. Les noces de l'agneau. Alléluia. On va festoyer au ciel. On va danser. Et là-bas, là, c'est la vraie joie. Ce sera une joie éternelle. Alléluia. Une joie qui ne tarit pas. Une joie qui ne peut pas être éteinte. Non, 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 non. Parce que là-haut, il n'y a pas de chaos. Là-haut, au ciel, dans le royaume des cieux, comme dit le Seigneur, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce royaume-là, c'est la paix. Ce royaume, c'est la vie. Ce royaume, c'est la santé. Ce royaume, il n'y a pas d'infirmité. Ce royaume, il n'y a pas de cauchemar. Ce royaume, il n'y a pas de démon. Dans ce royaume, il n'y a pas de péché. Non, 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 non. Alléluia. Dans ce royaume, il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de fête de Saint-Valentin. Il n'y a pas de fête de Pâques. Cette fête de Pâques avec des lapins qui pondent des œufs au chocolat. Où t'as vu un lapin qui pond des œufs au chocolat? Pourquoi les gens ne se réveillent pas? Le Seigneur veut vous réveiller des hommes et des femmes. La Pâque, ce n'est pas des lapins qui pondent des œufs. Non. Le Seigneur veut sortir ses élus des systèmes. Il y a des élus qui sont encore dans les systèmes, qui sont encore dans la religion, la religiosité. Le Seigneur veut vous sortir de cela. Il y a des hommes et des femmes qui pensent que pour servir le Seigneur, il faut toujours en costume. Il faut toujours sur le 31. Jean-Baptiste était comment? Jean-Baptiste, il était en peau de chameau. Vous me direz, non, faut pas faire ça. Je ne dis pas faut mettre un peau de chameau. Mais en fait, le Seigneur, c'est pas l'apparence. Le Seigneur, c'est pas les apparences. Vous voyez? Jean-Baptiste n'avait pas de... C'était pas un problème pour lui d'avoir le peau de chameau. C'était pas un problème. Peau de chameau, pas peau de chameau. Voilà pourquoi nous les élus, là, on n'a pas le temps à se prendre la tête avec les choses de la vie, de cette vie. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. La parole est terrible. Hein? L'évangile, c'est beau la parole. C'est beau, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité. La parole est trop belle. C'est magnifique. C'est trop beau. Malgré des combats, malgré... En fait, c'est beau la vie avec le Seigneur. Waouh, 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 waouh. C'est trop beau. Trop beau la vie avec le Seigneur. Magnifique. Alléluia. Donc voilà pourquoi il ne faut pas se prendre la tête. Oh Seigneur. Il faut vivre Yeshua. On vit qu'une fois sur terre. Donc la foi en Yeshua, il ne faut pas la vivre à demi. Il faut, en fait, d'ailleurs si tu l'avais à demi, le Seigneur dit clairement qu'il vomit les tièdes. Le Seigneur vomit les tièdes. Il veut qu'on soit bouillant pour lui. Tu vois mon frère, ma soeur, on n'a aucun compte à rendre à ce monde. Voilà, notre foi, on doit la vivre. On doit vivre notre foi comme le Seigneur nous le demande dans la parole. Ne pas être dans la légèreté, ne pas être dans la compromission, ne pas être dans les choses qui peuvent nous perdre. Voyez? Alléluia. On n'a pas le temps on n'a pas de temps à perdre avec cette génération. Oh Seigneur, enflamme-nous, papa. Seigneur, enflamme nos cœurs, enflamme nos pensées, papa, enflamme nos vies, papa, enflamme notre cœur, papa. Oh Seigneur mon roi, Père, je prie, papa, ce soir, papa, que tu puisses nous remplir de toi, Seigneur, que tu puisses, papa, nous remplir, Seigneur mon roi, de ta sainteté, papa, que tu puisses nous garder, papa, de tout fléau de ce monde, papa, que tu nous gardes de la maladie, papa, que tu nous gardes, mon roi, de toute attaque, papa, en Yeshua. Préserve ton peuple, papa, préserve-nous, Seigneur mon roi, préserve nos frères et sœurs, papa, qui pleurent et qui souffrent dans le monde, papa, Seigneur, au nom puissant de Yeshua, papa. Oh Seigneur Elohim, papa, nous t'invoquons, Seigneur, on t'invoque, papa, de nous garder, papa, de nous remplir de toi, Seigneur mon roi. Équipe-nous, Seigneur mon roi, équipe nos cœurs, papa, nos vies, papa, au nom de Yeshua. Voyez, tu es ce peuple équipé,
nous sommes équipés. Waouh. Et Dieu, verset 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Une génération de loups. Une génération de loups. En gros, le loup là, il dévore tout. Hein. Le loup là, c'est. Le loup là, ben, quand il voit une brebis là, il aime les brebis. Hein. Il aime les brebis, le loup. Donc sa mission là, c'est de détruire les brebis. Les brebis du troupeau de Yeshua. Voilà pourquoi nous, les brebis, on doit être en groupe. En fait, pas en groupe de manière physique forcément, mais en groupe dans l'esprit. Groupé. Alléluia. Une armée groupée, une armée ordonnée, une armée qui a le même but, le même objectif. Mes frères et sœurs, armons-nous de la pensée du Seigneur. Ayons la pensée d'en haut, la pensée de Yeshua, cette pensée parfaite, selon la parole, selon l'esprit du Seigneur. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, qui sont dans les nations, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas dans quelle situation que tu es, mais le Seigneur nous appelle à nous tenir, à vivre selon sa parole. Vous voyez? Selon sa parole. Et vivre selon la parole, c'est une folie. C'est la folie, l'évangile. C'est une puissance, c'est une folie. Merci Seigneur pour la parole. Merci Papa pour cette parole qui est étrangère à ce monde. Ô Seigneur, que nous avons reçu. Mais qui est étranger à ce monde. L'évangile est étranger au monde. Le monde ne connaît pas l'évangile. Le monde ne connaît pas Yeshua. Et c'est à nous qui avons reçu Yeshua d'aller apporter Yeshua. Alléluia. Car lorsque quelqu'un rencontre Yeshua, c'est fini. C'est fini. Il sera enseigné par le Seigneur. Il sera conduit par le Seigneur. Tu vois, comme le dit la parole, hein, c'est lui qui nous enseigne. C'est le Seigneur. Il passe aussi à travers les hommes pour nous enseigner, bien sûr. Tu voyez? Voyez? Le Seigneur, il est magnifique. Il est glorieux. Nous sommes comme des enfants. Devant sa parole, quand il nous parle, quand il nous guérit, quand il nous remplit, on est comme des enfants. Alléluia. C'est pour cela, là, il faut avoir cette vie avec Yeshua. Oh, karabashika namalai katablori. Excusez-moi, mais là, mes amis, c'est terrible. Yeshua de Nazareth. Waouh! Si tu as pleuré ce matin, arrête de pleurer. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu viennes, tu te remettes à la brèche, guerrier, guerrière. Proclame, prophétise, prie, demeure, obéis. Reste fidèle au Seigneur. Reste fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. Restons fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. Soyez prudents. Soyez donc prudents comme des serpents. Et sans mélange, comme des colombes, pas de mélange. Prudence, pas de on marche, on, voilà, pas de péché, pas de choses mystiques, voyez. Mais gardez-vous des gens, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous châtieront avec un fouet dans leur synagogue. Oh là 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 là. Gardez-vous des gens, car ils vous livreront au Sanhédrin. Oh là là. C'est pas forcément taper physiquement. Hein. Parce que l'on peut voir, oh non, ben, on ne va pas taper physiquement, ben c'est pas ça. Ça peut être avec la langue. Oh oui. On va te châtier, on va te lapider avec la langue. Oh là là. Des fouets, tout ça là, ça peut briser ta foi. La langue de l'homme peut briser ta foi. Si dans ta synagogue là-bas, là, on te casse parce que tu veux vivre l'évangile. On te critique parce que tu pratiques pas le péché. Parce que tu dénonces des choses que dans l'église est pratiquée. Prends tes jambes à ton cou là. Pars. Cours. Cours de là. Cours de là. Oh oui. Si la synagogue ne veut pas te garder parce que tu dénonces les choses mystiques, les choses bizarres qui se passent, eh ben, prends tes jambes à ton cou. Pars de là. Oh oui, sauve-toi. Sauve-toi de cette génération. Sauve-toi, mon frère. Cours. Cours, 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 cours. Cours vers Yeshua. Alléluia. Cours vers le Mashiach. Ses bras sont ouverts, il t'attend. Alléluia. Et vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs. Mes amis, l'évangile, c'est pas un jeu, hein?
C'est pas un jeu la parole. C'est pas un jeu comme un fleuve qui tout coule correctement. Tout est paisible. C'est l'évangile, ça dérange. L'évangile dérange. C'est pas de notre fait. C'est la parole qui est comme ça. C'est une épée. La parole est une épée. Elle ne peut pas être comprise. Le péché ne peut pas comprendre l'évangile pur. C'est pas possible. Le monde est étranger à la parole du Seigneur. Donc si tu attends à ce que le monde t'accepte, tu n'as pas compris la parole. Tu n'as pas compris l'évangile. On doit savoir qu'est-ce que l'évangile. Qu'est-ce que la parole. Qu'est-ce que la mort et la résurrection du Seigneur. Qui est Yeshua, mes frères et sœurs? Qui est ce Yeshua? Beaucoup pensent que Yeshua, c'est le Yeshua qu'ils ont vu dans les dessins animés. Beaucoup pensent que Yeshua, c'est le Yeshua qu'ils ont vu avec des petits bébés comme ça. C'est ce Yeshua là. C'est pas ce Yeshua. On nous a trompé. C'est pas ce Yeshua. Notre Yeshua, il est terrible. Oh là 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 là. Dans Apocalypse, on a vu quand Jean a vu l'ange, il est tombé comme mort. Comme mort. Comme mort. C'est terrible. Ah oui, parce que Yeshua est terrible. C'est Yeshua, non, c'est Yeshua. Yeshua est terrible. Ah oui. On va vérifier ça. Pour ne pas dire des bêtises. Voilà, on va bien vérifier ça encore au nom de Yeshua. Voilà. Alléluia. Apocalypse, chapitre 1. Oh Père, Père, il est glorieux, glorieux, glorieux. Apocalypse 1, verset 17. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Vous voyez? Il posa sa main sur moi en me disant, n'aie pas peur, je suis le premier. Ah là 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 là. Yeshua! Il est terrible, terrible, terrifiant, terrible, puissance, glorieux, extraordinaire. Il n'y a pas de mots. On va voir le roi. J'ai une vision, on est en prière avec des frères et sœurs, on est en train de prier. J'ai une vision, j'ai vu le visage de Yeshua. C'était le lion, c'était le jugement, la colère du Seigneur. C'était terrible. Voilà pourquoi toi là, mon frère, ma soeur, nous autres, moi-même, on ne prie pas n'importe qui, hein. On prie le roi des rois. On prie le lion de la tribu de Juda. Aïe, 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 aïe. C'est pas le petit Yeshua qu'on t'a montré, le petit faux Jésus qu'on t'a montré, le petit bébé accroché sur la croix tout maigre. C'est pas ce Jésus, hein. Notre Jésus est ressuscité. Notre Jésus est puissance. Alléluia. Notre Yeshua, il veille sur nos âmes. Il veille sur notre vie. Il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Ce que le Seigneur a dit sur ta vie, ce que le Seigneur a proclamé sur ta vie, il veille sur elle pour que cela s'accomplisse. Ça doit s'accomplir. Voilà pourquoi tu ne mourras pas de la maladie. Tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas dans le péché. Parce que le Seigneur t'a élu. Le Seigneur a, il est en train d'équiper ses élus. Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur équipe ses élus. Ce soir, tu vas recevoir l'équipement. Un équipement terrible. Oh là 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 là. Tu vas commencer à voir des choses terribles du royaume. À vivre des choses terribles du royaume. À manifester le royaume. La gloire qui est dans ce royaume. Alléluia. Au nom de Yeshua de Nazareth. Toi qui étais dans la peur, tu vas commencer à expérimenter la gloire du royaume. L'autorité du royaume. Dans Matthieu 10, il dit quoi? Je vous ai donné l'autorité. Tu as reçu l'autorité, mon frère. Alléluia. Tu as reçu l'autorité pour ouvrir et fermer. Oh là 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 là. Tu as reçu les clés du royaume. Le Seigneur est en train de donner des choses, des équipements à ses fils, à ses filles, à ses soldats qui veulent, qui souhaitent le servir. Tu as prié. Le Seigneur ce soir répond à ta prière. Il répond à ta prière au nom de Yeshua. Il répond à ta prière. Il répond à ta prière. Oh, il est magnifique. C'est le temps où le Seigneur va faire des choses
qui va nous surprendre de plus en plus, qui va nous choquer. Tu vas être choqué, dépassé par l'autorité que le Seigneur va te donner dans le ministère qu'il t'a donné, dans le service, dans l'appel qu'il t'a donné. Tu vas expérimenter la gloire du royaume. Alléluia. Expérimenter des choses que tu lisais que dans la Bible. Ce n'est pas réservé qu'à la Bible, dans le passé, hein, qu'on a pu lire dans la Bible. C'est d'actualité. Voici, j'étais mort, voici, je suis vivant, il dit à Jean. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga, Rikata. On sert l'oméga, l'alpha, l'oméga. Alléluia, alléluia, alléluia. Là que le Seigneur, là, il marche devant toi. Demain, là, tu es encouragé. Nous sommes encouragés ce soir. Il faut t'encourager encore demain, après demain, après, après, après demain. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Ne soyons pas des spectateurs. Nous sommes des acteurs. Amen, Seigneur. Tu es un acteur. Je suis un acteur. L'Église est dans l'action. L'Église est l'acteur. Et l'acteur dans cette génération. L'épouse est en action. Alléluia. Tant que l'Église est sur terre, on a l'autorité pour prier. Oui. L'autorité de proclamer, oui. C'est-à-dire que même si des choses compliquées se passent dans le monde, on ne doit pas trembler, mes frères et sœurs. On doit se lever dans la prière. Il y a des choses qu'on voit de nos yeux là, qu'on veut nous donner, nous communiquer, vous comprenez. Il faut se lever dans la prière parce que nous sommes l'épouse. Parce qu'on est l'épouse du Mashiach. Oh là là. Et on a l'autorité de fermer, l'autorité d'ouvrir. Voilà pourquoi on prophétise. Que nous ne serons pas atteints de maladies mystiques. On ne sera pas atteints de maladies bizarres. Au nom de Yeshua. On ne sera pas atteints de quoi que ce soit au nom de Yeshua. Aucun breuvage mortel ne va nous tuer au nom de Yeshua. C'est écrit. Parce que nous sommes les élus. Nous sommes les élus. Parce que nous sommes revêtus. Parce que nous sommes équipés. Je vois des chrétiens qui tremblent devant Corona. Des chrétiens qui ont reçu l'onction, des chrétiens qui ont reçu le mandat du Seigneur, des chrétiens qui ont reçu le mandat de Matthieu 10. L'autorité. Que faisons-nous avec l'autorité qu'on a reçue? On est là, on pleure, oh Corona, oh la nana, on pleure. C'est pas ça la foi véritable. La foi en Yeshua, eh bien c'est l'assurance. Certains me diront, oh, c'est pas l'orgueil. On a reçu l'autorité, mes frères et sœurs. Tu as reçu l'équipement pour imposer les mains à ta famille, imposer les mains à tes enfants. Voilà pourquoi on ne doit pas perdre Yeshua de vue. Et quand on perd Yeshua de vue, qu'est-ce qui vient? C'est la peur, c'est le tremblement. On ne doit pas trembler, mes frères. On doit se lever dans la prière, premièrement, parce que nous sommes l'épouse. Je suis l'épouse. Tu es l'épouse. Tu es le fils. Tu es la fille du roi des rois. Voilà pourquoi tu dois refuser toute maladie bizarre, toute maladie mystique, toute maladie bizarre dans que le monde actuellement au nom de Yeshua. On doit se lever. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Je déclare sur ma vie, je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant du Créateur. Enfant de celui qui a vaincu les ténèbres. Voilà pourquoi je prie pour ma famille. Je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour mon prochain qu'au nom de Yeshua. Que la vie de Yeshua prenne place dans leur vie. Je prie au nom de Yeshua que la puissance du péché, la puissance de la maladie soit brisée dans les cœurs. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, voici notre autorité, frères et sœurs. La prière, notre âme c'est la prière. On ne doit pas trembler, on ne doit pas trembler devant les nouvelles de cette génération. On ne doit pas trembler devant les enfants, mais on doit se lever de la prière et prophétiser. Proclamer au nom de Yeshua, que Yeshua intervienne, que Yeshua agisse pleinement dans nos vies, dans nos familles, au nom de Yeshua de Nazareth. Shakama Shinama Lakataba. Kelinamalori Leita Bori Labashida. Le Seigneur est en train de renouveler ses enfants, renouveler ceux qui avaient peur, ceux qui tremblaient, ceux qui voulaient se refroidir. Le Seigneur est en train de révolutionner nos cœurs, de réveiller nos cœurs au nom de Yeshua, parce que c'est lui qui détient toutes les clés de la mort, et entre ses mains, il a tout vaincu. Alléluia. Excusez-moi, mes frères, c'est chaud.
terrible, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à éclairer ce monde. On doit éclairer ce monde. Alléluia. Alléluia. On ne doit pas avoir peur. La peur n'est pas du Seigneur. On n'a pas reçu un esprit de peur et de timidité, mais un esprit de force. Un esprit de force. L'Esprit Saint. Oh là 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 là. Voilà pourquoi c'est dans la prière, dans l'intimité, par rapport à la révélation qu'on a du Seigneur. C'est là, mes frères et sœurs. En fait, je ne domine rien. Je ne contrôle rien. Voilà pourquoi tout ce qui se passe dans le monde, on ne contrôle rien. C'est pour cela qu'il faut se remettre à celui qui a jugé l'Égypte. N'oublions pas que nous servons ce El. N'oublions pas qu'on sert ce Elohim. Alléluia. Yahweh des armées. Celui qui a dit à Moïse, je suis. Waouh. C'est lui là qu'on sert. C'est lui qui a frappé l'Égypte. Vous voyez, c'est lui là. Les 10 plaies. N'oublions pas qui il est. Le monde nous fait oublier le Seigneur. Le monde veut nous faire oublier qui nous servons. On nous fait croire qu'on est devenu fou parce qu'on prie, parce qu'on adore, parce qu'on prêche l'évangile. Non, 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 on n'est pas fou. On sait qui est ce elle. Il a réservé un temps pour détruire la terre. Il a réservé un temps pour juger la terre. Il a réservé un temps pour qu'on proclame sa parole. Alléluia. Et c'est la mission que nous avons. Proclame cette parole. Proclame, proclame. Quelle œuvre que le Seigneur t'a confiée, mon frère. Tu as reçu quelle œuvre du Seigneur? Quelle vision t'as reçue du Seigneur? C'est aujourd'hui que tu dois entrer dans la vision que le Seigneur t'a donnée, toi qui étais dans le questionnement. Est-ce que je dois? Est-ce que je ne dois pas? Est-ce que je dois? Si tu commences à continuer à réfléchir là, le Seigneur va prendre quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. L'évangile doit être proclamé dans toute la terre habitée. En Afrique, en Asie, en Europe. Et les vrais adorateurs, les élus du Seigneur sont en train d'être visités dans l'esprit. Ils sont en train de saisir dans quel temps que nous sommes. Ils saisissent que c'est un temps où c'est le temps de la trompette, où c'est le temps du chauffard. Le chauffard retentit. Le chauffard est proclamé. Le chauffard retentit. Alléluia. Alléluia. Merci papa. Il y a des hommes et des femmes qui vont se lever. On sera en mission là où nous sommes. On est en France, on sera en mission en France. T'es aux Antilles, tu seras en mission aux Antilles. T'es en Allemagne, tu seras en mission en Allemagne. T'es où? Dans quel pays que tu es? Tu es en mission. C'est là où l'Église doit se lever. C'est un temps où le Seigneur va de... En fait, tu es missionnaire. Tu es missionnaire. Je crois qu'un temps arrive, même nous autres là. On va rester travailler là où nous sommes là, dans le pays où nous sommes. Parce que le réveil, le feu doit prendre, l'évangile doit prendre dans le pays où nous sommes. En Afrique, en Asie, en Europe, en Antarctique, en Pôle Nord, au Canada, l'évangile doit prendre. Chaque enfant du Seigneur, là où tu es dans ton pays, lève-toi, travaille, proclame l'évangile. Alléluia. Proclame la parole dans ta langue, pas ta langue, la langue que tu as. Proclame là où tu es. Il y a un temps, on ne va plus commencer à aller en mission partout là. On va proclamer là où nous sommes la parole. Oh oui, chacun va saisir cela. Parce que l'Esprit est en train de visiter ses élus. L'Esprit est en train de visiter ceux qui lui appartiennent. C'est le temps de l'équipement des élus du Seigneur. Que rien ne nous embarrasse. Les choses de la terre ne doivent pas nous embarrasser. Oh non, c'est le ciel. Notre préoccupation, le royaume. Moi, je n'ai plus rien à perdre, c'est le royaume. Quand l'évangile est venu de mon cœur, eh bien, ça a créé des séparations. C'est écrit dans la parole, hein, l'épée, ça amène des séparations. Oh oui, voilà pourquoi il ne faut plus perdre son temps. On doit rester accroché au Seigneur. On doit rester focalisé sur le Seigneur. L'alpha, l'oméga. L'alpha, l'oméga. On doit rester attentif à ce que lui veut. Ne pas s'empresser pour faire les choses. Ne pas s'empresser pour le servir. Parce que c'est lui-même qui va prendre ses instruments pour en faire sa gloire. C'est lui. C'est pas nous. C'est lui. Donc reste attentif au Seigneur parce qu'il va te communiquer quelque chose. Le Seigneur va te communiquer sa pensée. Il va me communiquer sa pensée. Chaque anneau sera détaché. C'est le temps du détachement des anneaux. Oh oui. Les anneaux là, détachement. On va aller voir.
C'est là, le Seigneur est en train de secouer, il secoue tout là. Chaque anon ira là où le Seigneur l'envoie. Eh oui, c'est le temps des anons là. Le temps des anons. Waouh. Le Seigneur, tout ce qu'il fait, il ne fait rien par hasard. Rien n'est fait par hasard. Oh Seigneur, merci pour ta bonté, papa. Seigneur, on se repent. Je me repens de tout péché, papa. Je ne mourrai pas, mais je vivrai ta gloire, Seigneur mon roi. Père de gloire, malgré les combats, malgré, papa, toute attaque, oh Père de gloire, contre nos vies. Là, papa, les ténèbres se lèvent, les sorciers se lèvent contre nos vies, papa. On ne va pas chuter, papa. On prophétise la vie. Là, papa, on attend notre mort. Là, on attend ma mort. Je ne mourrai pas, mais je vivrai ta gloire. Je serai sauvé. Je suis sauvé. Je n'irai pas en enfer. Je proclame cela, papa, dans le nom de Yeshua. Je vais encore crier, papa, persévérer, papa, par ta grâce. On va encore se lever, par ta grâce, papa, au nom de Yeshua. Et tenir ferme, papa, au nom de Yeshua. Lire ta parole, papa, prier, papa. Oh mon roi, au nom de Yeshua, se tenir à la brèche. Que les choses d'en haut, papa, soient notre délice, papa, notre trésor. Les choses d'en haut, papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Waouh. Tiens, mon frère, ma soeur, le Seigneur a parlé sur nos vies. Il a parlé sur ta vie. Il t'a communiqué quelque chose. Même si, en fait, chacun doit savoir qu'est-ce que le Seigneur lui a dit. Moi, personnellement, je sais ce qu'il m'a dit. Je sais ce qu'il m'a montré. Je sais ce qu'il m'a donné, ordonné. Je le sais, on le sait en nous. Est-ce qu'il t'a dit à toi, il n'a pas dit à l'autre? Oh oui. C'est pour cela, toi là, mon frère, ma soeur, c'est le temps du détachement. C'est le temps du détachement de l'âne. C'est le temps de suivre le vent. Tu es dans quel vent, mon frère? Dans quel vent que tu es? Tu es dans quel vent? Dans quel vent que tu es? Oh oui. On doit être dans le vent de l'esprit. Pas dans le vent terrestre. Pas dans le vent humain. Mais dans le vent de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. N'hésitez pas, s'il y a des questions, vous pouvez le poser sur le chat. Au nom de Yeshua de Nazareth. Voilà. Voyez, mon frère, ma soeur. Notre papa est magnifique. Il est bon. Il nous aime. Il nous aime, il nous aime, il nous aime. Le Seigneur va restaurer les songes de beaucoup. Il va restaurer les songes, les visions qu'il te donnait. Tu vas de plus en plus voir le Seigneur te parler. Et les songes qu'il va te donner seront comme des puzzles, comme des énigmes. Mais en vérité, il va te donner la compréhension de ces songes, ces visions qu'il va te donner. Tu vois? Ne t'empresse pas à aller courir demander des explications. On doit s'empresser à demander au Seigneur les choses premièrement. Ne remplaçons pas le Seigneur par les hommes. Église, on ne doit pas remplacer le Seigneur par l'homme. Non, parce que notre Créateur est jaloux. Il est jaloux. Alléluia. Bon Dieu bon. Bon Dieu bon. Il est bon pour vie en nous, il est bon pour vie où c'est en étoiles en mer, où qu'a brillé en mer, bon Dieu, où qu'a brillé en mer, tu brilles dans ses mains telle une étoile, tu brilles comme une étoile. Tu brilles entre ses mains comme une étoile. Ah, le Seigneur voit ta marche. Il voit ton obéissance. Il va te récompenser. Ne te dis pas qu'il ne voit pas. Il voit. Ne t'empresse pas à ce que les autres voient. Le Seigneur voit. Il voit ta vie consacrée. Alléluia. La pensée que j'ai là, c'est qu'un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. C'est-à-dire que tu dois savoir cela, mon frère, ma soeur. Un prophète n'est pas bien reçu
dans sa patrie. Yeshua n'a pas été reçu dans sa famille. Et à cause de cela, il n'a pas pu faire grand miracle aussi là-bas. Là. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la foi. Les gens ne croyaient pas en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tourné vers les nations. Vous voyez mon frère, ma soeur? Si ta patrie t'a rejeté, il y a une autre patrie qui va t'accueillir. Il y a une autre patrie qui va écouter la parole, tu vois, que le Seigneur te donne. Oh oui. Il y a une autre patrie. Et ils sont dehors. Tu vois. Ils ont rejeté le Seigneur. Le Seigneur s'est tourné vers les nations. Oh oui. Parce qu'il y avait nous à sauver. J'étais à sauver. Tu étais à sauver. Il y a d'autres encore à sauver. Ce soir, si quelqu'un veut son baptême, donner sa vie au Seigneur, tu peux le mentionner sur le chat ou nous envoyer un mail. Tout simplement pour plus de questions. Si tu veux ton baptême, là où tu es, je ne sais pas où tu es, on va te baptiser au nom de Yeshua, le Seigneur fidèle. Tu vois? Si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu peux le mentionner. Si tu veux te confesser ton péché, tu peux le mentionner aussi au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia, mon frère, ma soeur. En tout cas, que le Seigneur soit béni encore pour ce temps. Ne te minimise pas, mon frère, ma soeur. Ne te minimise pas au nom de Yeshua. Les femmes d'Élohim, ne vous minimisez pas. Je vous dis la vérité. Que personne ne te minimise, femme. Que aucun homme ne puisse te minimiser. Que personne ne te dise qu'il est interdit aux femmes d'évangéliser. Il est interdit aux femmes de proclamer sa parole. Ce sont les femmes qui ont proclamé la résurrection de Yeshua. Que personne ne ferme ta bouche. Que personne ne ferme ta bouche. Que personne ne t'éteigne au nom de Yeshua. Le Seigneur va lever des hommes, des femmes. Je vous dis la vérité. Des Antillais, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Haïtiens, Saint-Martin. Oh oui. Faut pas vous minimiser les îles. Bon. Les îles, ne vous minimisez pas les îles. Il y a quelque chose de bon que le Seigneur va faire là-bas. Oh oui, Haïti, ne te minimise pas Haïti. Je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs qui nous suivent en Haïti, mais laissez-moi dire de ne pas te minimiser Haïti. Tu n'es pas maudit Haïti. Le Seigneur t'a béni, frère et sœur d'Haïti. Le Seigneur t'a béni, tu es béni de toute bénédiction dans les lieux célestes qui sont spirituels. Ne reste pas matériel. Au nom de Yeshua de Nazareth. Si quelqu'un en Haïti est dans le besoin, quelqu'un en Haïti est en train de vivre par des moments difficiles, tu n'arrives pas à manger, tu peux le dire sur le chat. On va t'envoyer quelque chose pour te nourrir au nom de Yeshua. On va te faire quelque chose pour te nourrir au nom de Yeshua. En Haïti, quelqu'un, toi qui n'as pas de nourriture, toi qui est dans le besoin, tu n'arrives pas à manger, dis-le maintenant sur le chat. Et si tu veux envoyer un mail, tu peux envoyer un mail. On va t'envoyer quelque chose pour pouvoir manger au nom puissant de Yeshua. Parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Voyez? Un vrai enfant du Seigneur ne prend pas plaisir. Pour lui, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On doit vivre cette parole, mes frères et sœurs. Cette parole où tout est en commun avec les frères et sœurs de l'église primitive. Vous me direz, oh non, c'est pas la même. En fait, là où tu te réunis, là où tu pries, là où tu es en communion avec des frères et sœurs, ce n'est pas honte d'exposer tes soucis. N'aie pas peur d'exposer aussi tes besoins. Et le Seigneur, s'il permet, permettra que les frères et sœurs, ensemble, puissent mettre la main à la pâte pour te soutenir. On a perdu cette vision. On a perdu la vision de soutenir son frère ou sa sœur qui est dans le besoin. Et c'est triste. C'est triste. Parfois dans les coulisses avec des frères et sœurs, même avec l'équipe où on travaille de VDN, au nom de Yeshua, c'est pas pour dire ce que la main droite fait. On souffre, que le Seigneur permet, on se met ensemble et on soutient, on cotise ensemble pour les certains besoins qu'il peut y avoir, pour l'œuvre que le Seigneur peut demander de faire. C'est ça l'église. Si tu es 2, 3, 4, 5, tu vas aller en mission quelque part, exposer cela à l'assemblée. L'église aussi locale doit, excusez-moi mes frères et sœurs, mais c'est terrible.
des missionnaires doivent être envoyés. Une église locale doit envoyer des missionnaires. Oh oui, on n'est pas là pour se faire beau. On n'est pas là pour se faire pour se caresser entre nous. C'est pas ça l'église locale. Une église locale doit envoyer des missionnaires. Doit envoyer des frères et sœurs qui ont été formés, les envoyer, payer un billet pour eux, les envoyer. C'est ça que le Seigneur nous demande. Voyez, ce n'est pas réservé seulement aux prédicateurs, à ceux. Voilà, c'est réservé au corps. Le corps doit être en mission. Beaucoup n'ont jamais été en mission. Beaucoup sont restés que dans leur église locale. Oh, c'est terrible. L'église locale doit envoyer des missionnaires. Même dans les maisons, parce que là, les bâtiments, le système des bâtiments, là, c'est tout fermé. Là, c'est fermé. Donc l'église ne doit pas attendre par rapport à ce qui se passe pour pouvoir prier. Non! Aujourd'hui, tout est. Il y a la technologie, on peut même communier sur certains réseaux, en communion, au téléphone par exemple. Bien sûr, prier, partager la parole, ne pas attendre le dimanche pour aller remplir les bâtiments. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. On doit sortir de cela, sortir de ce système. Vous voyez? Même dans les maisons, c'est l'église locale ça. Des missionnaires peuvent être aussi envoyés, des missionnaires peuvent aussi aller en mission. Parce que le fait de ne pas aller en mission, tu vas mourir aussi. Tu es toujours fermé, fermé, fermé. Quand est-ce que tu vas respirer un peu dehors? Quand est-ce que tu vas vivre autre chose? C'est pour cela que beaucoup ont été éteints par rapport au système. Le Seigneur est en train de dénoncer le système de plus en plus. Sa parole est claire. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il le dit de sortir d'elle, du milieu d'elle, mon peuple. L'église véritable ne sera pas en milliers dans les bâtiments comme on peut le voir. Voyez? Et je réalise de plus en plus cela. Plus j'avance dans ma marche, plus je réalise en fait qu'on n'est pas obligé d'être à 10 000 dans une église locale. En fait, non. Voyez? Là où il y a deux ou trois réunis en son nom, le Seigneur est au milieu. Au milieu d'eux. Je me rappelle quand j'étais à l'assemblée locale. Pendant plus de 7 ans, à un moment donné, je me disais, mais Seigneur, je ne vais jamais partir de là. Parce que j'aimais tellement la communion, j'aimais tellement ceci, cela, tellement on allait tous les dimanches manger ensemble, tabati, on était ensemble, tout ça. Alors, je disais, waouh, c'est beau, tout ça. Je ne partirai jamais de là. Le Seigneur a dit, non, ce n'est pas ce qu'il veut. Il m'a dit, je devais quitter. Il commence à mettre dans mon cœur de sortir de l'église locale pour passer à autre chose. Et je ne sais pas comment annoncer ça parce que aujourd'hui, quand quelqu'un veut quitter une. On va parler de ça. Le sentiment que j'avais, c'est que. Qu'est-ce qu'on dira de moi? On va dire il est orgueilleux, il est rebelle parce qu'il veut quitter l'assemblée locale pour aller faire le travail, mais quel orgueil! C'était le sentiment que j'avais dans mon cœur. Mais en vérité, c'est biblique. C'est biblique de faire un temps quelque part et le Seigneur t'envoie ailleurs. C'est biblique. Je ne comprenais pas. Et puis le Seigneur, il a secoué. Et j'ai dû sortir pour travailler de la manière dont on travaille. Vous voyez, depuis pas mal d'années. Dans le conflit, vous pouvez suivre, vous pouvez voir ce qu'on. Voilà, pour ceux qui savent, ce travail de la mission, bouger. Vous voyez. Et en fait, je me rends compte que en vivant ces choses, en obéissant à ce que le Seigneur m'a demandé de sortir de l'assemblée locale, j'ai expérimenté, j'ai vu le Seigneur autrement. Je ne serais pas sorti, j'aurais pu mourir, j'aurais pu devenir un religieux, je ne sais pas comment, on peut mal finir. Tu deviens glacé, tiède, tu vois. Et en sortant, c'est pour témoigner que dans ce temps que nous sommes, le Seigneur veut équiper ses élus. Il veut nous équiper pour, comme l'anneau, en fait, il veut nous détacher comme l'anneau, vous voyez, pour t'équiper et t'envoyer. Et j'ai compris en vérité que le Seigneur voulait que j'expérimente véritablement des choses du royaume, le vivre un tout petit peu, voyez. Et je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que je suis attaché à mon Seigneur de plus en plus attaché à lui qu'au système, plus attaché à lui qu'à la communion fraternelle. Parce qu'il y a un souci aussi, c'est que dans les églises locales, la communion remplace la communion avec le Seigneur pour beaucoup.
on devient de plus en plus idolâtre de la communion fraternelle. Voyez, et on passe moins de temps avec le Seigneur, moins de temps avec Yeshua. Voyez, et j'ai pu vivre ces choses. Tu vois, on peut remplacer facilement la communion avec Yeshua, la remplacer avec la communion avec les frères et les sœurs. Et c'est là où ben, on se perd. On remplace le Seigneur dans nos cœurs par la communion avec les frères et sœurs. Tu vois? Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Il y a un danger terrible. C'est que tu feras tout en fonction de tes frères et tes sœurs. Seigneur, prends le contrôle, papa, de Yeshua. Il y a des gens, ils doivent, je suis convaincu que des gens, des frères et sœurs, doivent vivre ces choses là où ils sont, là où tu es. J'en suis convaincu que des gens vivent cela. Et je parle de cela parce que je crois qu'il y en a qui vivent la même chose. Et que le Seigneur veut les détacher pour les envoyer. Voyez, il y a un danger. C'est beau la communion. C'est beau. Parce que dans Acte 2, ils étaient en communion. C'est biblique la communion. Mais il y a un danger aussi là. C'est qu'on peut vite remplacer cela. Remplacer le Seigneur par cela. Et ça produit quoi après? Ça produit, eh bien, on bâtit une religion, on bâtit un système. Et on vit plus selon les écrits. Pourtant on peut la prêcher. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on passe à côté. On devient religieux. On perd la vision de la mission. On perd la vision véritable de l'église. Voyez? C'est pour ça qu'à un moment donné, le Seigneur, il forme, on prie ensemble, et puis à un moment donné, il t'envoie, il peut te dire, va ailleurs. Parce que je t'appelle quelque part d'autre. Et quand tu vas certainement commencer à dire que le Seigneur t'appelle à exposer la chose, là, je vous dis la vérité, hein, tu vas essuyer des choses compliquées, j'en suis sûr. Tu vas essuyer aux États-Unis, quelqu'un vit ces choses. En Amérique, quelqu'un vit ça en Amérique. Quelqu'un vit ça en Amérique. C'est la pensée que j'ai là, tout de suite là. Quelqu'un vit ça en Amérique. You know? Jesus wants you. Jesus will save you, man. Brothers and sisters. Come to Jesus. Alléluia. On parle anglais aussi, on a Yeshua. On va parler anglais. Jesus call you. Alléluia. Oh, voyez? Quelqu'un vit ça en Amérique. Quelqu'un vit ça aux États-Unis. Le Seigneur t'appelle. Il te dit, tu ne dois pas remplacer la communion. Tu ne dois pas le remplacer par la communion. Non. Non. Et le danger qui est là, que je reviens dessus, c'est que tout ce que tu vas recevoir dans ton cœur, tu le feras en fonction de la communion que tu as avec les frères et sœurs. Tu ne feras plus les choses en par rapport à Yeshua. Et quand tu vas commencer à faire les choses selon Yeshua, je te dis la vérité, la communion que tu as remplacée par le Seigneur peut commencer à ramener un certain contrôle. Le contrôle, tu vois. Te dire non, nous on ne voit pas ça comme ça. Non, nous on voit ça autrement. Oh, tu sais, la pensée que j'ai pour toi, c'est plus comme ça. Et tu vas commencer à faire les choses par rapport à la communion. Je te dis la vérité. Et c'est là que beaucoup de chrétiens meurent. J'en parle là, mais c'est terrible. Beaucoup de chrétiens meurent comme ça. C'est pour cela que le Seigneur déteste l'idolâtrie. Tu vois? L'idolâtrie est un péché. Et beaucoup feront plus attention à ce que la communion des frères et sœurs lui disent par rapport à ce que lui reçoit. C'est pour ça que la parole est claire, c'est pour la liberté que Yeshua nous a affranchis. On ne doit pas devenir de nouveau esclaves, mes frères et sœurs. Je te dis la vérité, je nous dis la vérité. Le Seigneur n'accepte pas cela. Parce que l'anneau, il a besoin de l'anneau. Et l'anneau doit être détaché. Le Seigneur peut frapper, le Seigneur peut secouer. Il peut mettre sa main terrible. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces anneaux ne veulent pas être libérés, ne sont pas libérés de la communion. Et le Seigneur va secouer les choses. Le Seigneur va casser des choses parce qu'il ne veut pas la religion. Il ne veut pas qu'on devienne un système. Il ne veut pas qu'on rebaptise un système. Non. Sortez du milieu d'elle. Et
Le sortir du milieu d'elle n'est pas aussi synonyme de faire tout, n'importe quoi. Non, parce que la communion est aussi biblique. En fait, il faut être équilibré en vérité. Il faut être toujours équilibré. Comme par exemple, moi, par exemple, je suis un homme, j'ai des faiblesses, je suis faible, on est sauvé par grâce. Je prie avec des frères et sœurs, je partage avec des frères et sœurs, voilà, qui me donnent des conseils, qui me parlent, qui me disent aussi des choses aussi claires, pour aussi que ça puisse me garder. Parce qu'on peut, on peut se perdre. Et on a besoin aussi de cela, de la communion. Donc il faut bien comprendre ce message. Que ce n'est pas genre, tu fais ce que tu veux. Non, non, non. Il y a le Seigneur, il y a aussi la communion. Et le Seigneur aussi parle aussi à travers nos frères et sœurs. Mais tout n'est pas forcément bon à prendre. C'est pour cela qu'il y a un tri aussi à faire. De ne pas tout prendre, tout ce qu'on on va te dire, tout ce qu'on va te donner. Le Seigneur insiste là-dessus. Attentif à sa voix, à sa pensée, même s'il parle à travers nos frères et sœurs, mais d'être attentif premièrement au Seigneur, parce que tu peux être disqualifié. Oh oui, Paul voulait montrer à Jérusalem. Oh oui, c'était la vision que le Seigneur avait donnée. Agabus reçoit, oh non, la ceinture à qui appartient cet homme sera lié, etc. Oui, c'était vrai, mais imaginez-vous, Paul n'avait pas discerné que ce que le Seigneur avait dit, il aurait pu commencer à dire, ah non, 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 oh là là, on va me lier là-bas, il peut commencer à fuir. Or, la persécution, elle est biblique. La souffrance, elle est biblique. Voyez. Et Paul, c'était la vision que lui avait reçue. Donc lui devait aller à Jérusalem. Voyez. Aller à Jérusalem, même s'il allait être lié, même s'il allait être persécuté. C'était sa vision. Voyez. Chacun a reçu une vision. Chacun a reçu une pensée du Seigneur. Il y a des endroits où le Seigneur va m'envoyer. Ben, c'est lui qui m'a envoyé. Je vais y aller. Parce qu'il me l'a dit à moi. Et ça peut paraître fou pour certains. Oh, mais les fous, qu'est-ce qu'il va? Il va là-bas. Ben, c'est parce que c'est ce qu'il m'a dit moi. Voyez. Et s'il a dit ça à moi, eh ben, il va me donner l'équipement qui sera en accord avec ce qu'il m'a dit. Tu vois? Tu vois, c'est pour cela que nous, enfants du Seigneur, on ne doit pas, comment dire, on doit être biblique. Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous protège. C'est Yeshua qui nous protège. Nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant. On va dans des églises et il y a des pasteurs qui veulent surprotéger l'église, surprotéger. Non, 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 c'est Yeshua qui surprotège son église. C'est Yeshua qui surprotège son peuple. Oh oui! On te dit, ouais, pour faire l'œuvre, pour prêcher, pour faire ceci, tu dois être avant l'approbation du pasteur, l'approbation du prophète, l'approbation des membres de l'église, des diacres, tout ça. C'est pas ce que le Seigneur dit. Non, 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 non. Notre couverture, c'est le Seigneur. Mais tu peux néanmoins aviser tes frères et sœurs de l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. Ce n'est pas proscrit. Il faut bien être équilibré. Et j'aime bien toujours parler selon l'équilibre à chaque fois pour pas qu'on dise qu'il a dit ça comme ça. Il faut équilibrer. Alléluia. Je me laisse conduire. J'ai pas prévu de parler de tout. Je me laisse conduire par l'Esprit du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui vivent ça dans des nations. En Amérique, quelqu'un vit ça en Amérique. Le Seigneur veut te délier, te détacher, afin que tu puisses embraser l'Amérique avec l'évangile véritable. Alléluia. Waouh! Alléluia, alléluia, alléluia. Il est magnifique, Yeshua. Tu vois, mon frère, ma soeur? Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas dans quel pays que tu te trouves, mon frère, ma soeur. Tu as reçu des grâces, des talents du Seigneur. Mais tu sens que ces talents en toi là, ont été éteints. Tu as été blessé. Tu as été cassé. Et tu as tout enterré. Ce soir-là, c'est le déterrement. Ce soir-là, tu vas tout déterrer. Tout ce qui était enterré là. Ça va être déterré, c'est le déterrement. Oh oui, c'est le renouvellement pour toi. C'est la restauration pour toi, mon frère, ma soeur. Oh oui, le Seigneur a vu tes pleurs. Il a vu la souffrance dans laquelle que tu étais. Oh oui. Va pour Yeshua. Va là où il va t'envoyer, mon frère, ma soeur. Au nom de Yeshua de Nazareth. Merci Seigneur pour ce temps de partage, papa. Prions pour nos familles, les frères et soeurs.
priez pour nous aussi. Priez pour moi, priez pour nous s'il vous plaît. Pensez-nous à la prière. Et que le Seigneur nous garde encore, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde dans nos pensées. Voilà. Et qu'on puisse ne pas rater le wagon, ne pas rater le train. Ne pas rater le train, voilà, ce wagon-là. Waouh. En fait, il faut s'abandonner totalement, Seigneur. Totalement s'abandonner. Au nom de Yeshua. S'il y a des malades, papa, je prie pour les malades, papa. S'il y a des malades qui écoutent, papa, cet audio, papa. Seigneur, ta main n'est pas trop courte, même pour guérir par audio, Seigneur. Seigneur, je crois, papa, au nom de Yeshua. Je prie, papa, que toute maladie bizarre, papa, qui paralyse, papa, papa, un de tes enfants, Seigneur, mon roi, Père, qu'il soit délivré, papa, qu'il ressaisisse, papa, au Père. Père de gloire, ta pensée, qu'il saisisse ta pensée, papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Le Seigneur te dit aux Antilles de continuer à proclamer la parole. Les Antilles, il y a beaucoup de missions qui vont avoir lieu aux Antilles, sur les îles qui environnent ton île. Beaucoup vont en mission, beaucoup iront pour le Seigneur. Oh mon roi, merci Seigneur. Oh papa, merci papa pour ta grâce. Voilà pourquoi on doit prier encore. Que le Seigneur puisse encore permettre les missions, permettre encore qu'on puisse bouger dans ici et là. Et si ce n'est pas le cas, si selon sa volonté, eh ben on va travailler là où nous sommes. On va travailler là où nous sommes. Alléluia. 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 L'évangile va se répandre là où nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur. En tout cas, bonne soirée tout le monde. Et à très très bientôt. Bonne fin de soirée tout le monde. Et voilà, si quelqu'un veut poser une question, il peut le poser sur le chat. On va passer un chant en attendant, voilà. On va passer une louange en attendant. Et s'il y a des baptêmes, s'il y a des gens qui veulent le baptême, n'hésitez pas. Voilà, même si tu es dans un pays autre que là où nous sommes, on peut voir avec des frères et sœurs qui sont dans certains pays pour vous baptiser. Et au nom de Yeshua de Nazareth. Et sachez qu'une chose, c'est que si Yeshua revient et que tu l'as accepté dans ton cœur et que tu n'as pas eu le temps de prendre ton baptême, tu seras sauvé, t'inquiète pas. Le brigand sur la croix n'a pas pris son baptême, mais il a juste reconnu que Yeshua était Seigneur. Et ben, il est sauvé. C'était le premier entre au paradis. Le Seigneur lui a dit, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt en Yeshua, en Jésus-Christ, quand il donne sa vie à Jésus-Christ et qu'il meurt, ben, il monte au ciel. Ah ben oui, il monte directement au ciel. Donc il faut pas qu'on te dise, ouais, purgatoire, patati, patata. Il n'y a pas de purgatoire. Il faut qu'on arrête tout ça là. Il n'y a pas de purgatoire, c'est direct. Tu vas en enfer ou tu vas au ciel si t'as pas donné ta vie à Jésus. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, tu montes directement au ciel en attendant la résurrection. Tu vois? Donc voilà, s'il y en a qui veulent prendre le baptême, si Yeshua revient entre temps, sache que tu partiras à l'enlèvement. Ne t'inquiète pas. Et tout ce qui est Noël, tout ça là, le Seigneur n'est pas dedans. Noël, tout ça, c'est des fêtes païennes. Vous voyez? Donc si ta famille t'invite pour manger avec eux genre à Noël, ben c'est pas un péché d'y aller non plus. Parce qu'il y a certains chrétiens, on peut faire peur même à nos familles comme ça là. Tu peux aller manger avec eux, c'est ta famille. Tu peux aller manger avec eux et profiter pour prêcher la parole. Ben oui, faut pas avoir peur. Hein. Tu leur prêches Jésus. Tu leur prêches Yeshua. Tu vois? Tu leur annonces la parole pure. Donc n'hésite pas à manger avec eux, c'est pas un péché de manger avec ta famille. Tu vois? Mais chez toi là, quelqu'un peut pas venir de l'extérieur et faire n'importe quoi chez toi. Il doit se sentir avec ses péchés là. Il ne peut pas asseoir le péché chez toi. Si quelqu'un vient chez toi qui n'est pas bien, c'est parce qu'il y a la sainteté de Yeshua. C'est tout. Et sois encouragé. Et c'est ça, prendre position pour le Seigneur. Ne sois pas un chrétien, un pied là, un pied là. Sois totalement bouillant pour le Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu vois? Tout ce qui est fait de Pâques, tout ça là, il faut. Les enfants du Seigneur qui sont dans les systèmes, il faut sortir de cela. Le Seigneur n'a jamais dit de fêter Pâques. C'est pas écrit dans la Bible. Fête de Pâques, tout ça, c'est le monde, tout ça là. Fête de Pâques, des lapins qui font des eaux au chocolat, tout ça. Yeshua n'a jamais demandé ça, de fêter la Pâques. C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit. Tu vois? Beaucoup diront, oui, mais il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Non. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on pense que c'est tous les ans, dans les églises, nanana, c'est pas comme ça, c'est pas dans cette pensée-là que le Seigneur parlait de ça, tu vois. Donc faisons les choses selon le Seigneur, c'est autour d'un repas, tout ça, nanana, voilà. Voyez?
Donc voilà, le Seigneur est fidèle. Vous voyez, le fait de Pentecôte, tout ça, c'est pas écrit dans la Bible de faire ça de manière comme le monde le fait là. C'est pas ça, c'est tous les jours la Pentecôte pour nous, les enfants du Seigneur, tous les jours. C'est toujours, tous les jours la Pâque, alléluia. C'est tous les jours notre Pâque, tous les jours la Pentecôte, tous les jours, c'est tous les jours. C'est pas une fois par an, c'est tous les jours. C'est tous les jours on vit Yeshua. Il est tout pour nous, il est notre Pâque. Alléluia, merci Seigneur. Vous voyez? Donc en fait, on doit sortir des habitudes mondaines. On doit sortir de la coutume mondaine. Je bénis le Seigneur depuis le monde, depuis tout petit, je n'ai jamais aimé ces fêtes-là. Jamais aimé ces fêtes mensongères de Noël. Tout. J'ai toujours haï ces fêtes depuis mon jeune âge. Mes enfants, là, ils savent tout ça, c'est faux, tout ça, là, ils savent. Donc il faut dire la vérité à vos enfants. Ne faites pas comme le monde. Oh, je fais une parenthèse, hein. Là, j'ai fini de partager ce que je voulais partager, j'ai une parenthèse. Ne dites pas à vos enfants, ne dites pas, oh, mon fils, il ne faut pas qu'il perde ce rêve, tout ça. Non, ça, c'est la chair, tout ça, là, c'est la chair. Le rêve là, qu'on a donné à nos enfants, c'est le paradis, là. On doit leur donner le paradis, leur prêcher le paradis. Voyez? Le paradis. Voyez? Ne pas leur donner du rêve bizarre. Veiller à ce qu'on le fait, à ce qu'il y aurait dans la télévision. Il y a certains des animés là qui sont intéressants pour les étudier. Voilà, une petite parenthèse là, parce qu'il y a certains chrétiens qui disent, oh mes enfants, je sais pas qu'est-ce que je peux leur faire regarder. Il y a des animés là qui sont intéressants, qui parlent de. Voilà, qui expliquent les histoires de la Bible. Vous voyez, je ne vais pas forcément dire le nom en audio. Si y en a qui veulent savoir, on peut vous dire dans les coulisses. Vous voyez. Donc c'est assez intéressant pour les enfants, ça leur explique un peu les histoires de la Bible. Et c'est pas mal. Bon, s'il faut, on le mettra dans le chat. Un lien d'une chaîne de dessin animé qu'on a trouvé là, qui est intéressant pour les enfants, on va le mettre dans le chat. Donc s'il y en a qui le veulent, on peut le mettre. C'est pas mal. Voilà, c'est fait un peu de façon un peu moderne, mais ça explique un peu les histoires de la Bible, tout ça, pour les enfants au niveau. Parce que les enfants, on connaît les enfants, ils aiment les dessins animés, tout ça. Et les dessins animés aujourd'hui que les enfants que le monde donne aux enfants, c'est compliqué, c'est la magie. En fait, il n'y a que des choses bizarres, compliquées. Et c'est. Il faut veiller par rapport à ça. Nos enfants doivent savoir ce qui est bon et pas bon. Ils doivent le savoir. C'est de le bas âge, nous dit la parole, qu'il faut enseigner nos enfants afin que demain ils puissent suivre la voie qu'on leur a enseignée. Voyez? Ils doivent savoir dès le bas âge ce qui est bon et pas bon. Ils doivent le savoir. Voyez? N'ayons pas peur d'enseigner à nos enfants la parole. Voyez? Dès le bas âge, ça commence dès le bas âge. Leur parler clairement par rapport aux choses qui se passent, par rapport à la parole en vérité. Leur parler de la Bible, l'évangile. Voyez? Ne pas donner le sentiment que les enfants par rapport aux choses de la terre. Il faut leur dire clairement les choses. Selon la parole, bien sûr. Et selon comment le Seigneur va conduire, parce que ce sont des enfants. Alors expliquer les choses avec les mots que le Seigneur va nous donner pour qu'ils puissent comprendre et saisir les choses. Au nom de Yeshua. Il faut aimer nos enfants. On doit aimer nos enfants. Prier pour nos enfants. Prier pour leur vie. Parce que l'ennemi, nous qui prions, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer nos enfants. Il va cibler nos enfants terribles, forts. Voilà pourquoi nous, les parents, on doit prier pour nos enfants. Prier pour eux. Au nom de Yeshua de Nazareth. Voyez? Les couples là, on doit prier pour nos enfants, prier pour nos couples. Parce que les couples là sont ciblés pour. Je vous dis, hein, les couples là, des enfants du Seigneur, sont ciblés. L'ennemi veut amener quoi? L'adultère, le péché, le divorce. Il va amener les querelles, les incompréhensions. Je vous dis, hein, c'est terrifiant. C'est voilà pourquoi il faut être unis, couple, dans la prière. On doit être unis, couple, dans la prière. Unis. Unis. Si le Seigneur permet, on va faire une émission coupe bientôt. Au nom de Yeshua. Parce que voilà, on sait se conduire. Et voilà. Voilà. Et sur des thèmes, je sais pas. Je pose la question sur le chat. Voilà. Voilà, je pose une question. Sur quel thème aimeriez-vous qu'il y ait un partage sur le couple? Sur quel thème? Vous voyez? Sur quel thème aimeriez-vous qu'un partage soit fait par rapport à émission coupe en Yeshua? Si vous voyez sur nos réseaux, on faisait souvent ces temps de partage que le Seigneur nous a mis à cœur. Donc s'il y a des questions par rapport à un temps de partage bien précis que le couple voudrait, ben, si le Seigneur permet, ben, on pourra voir pour éventuellement faire une émission sur couple à Yeshua. Vous voyez, couple à Yeshua et voilà, ben, on va poser des questions que vous voudrez qu'on puisse partager. Voilà, voilà. S'il y a des questions, vous voulez. Voilà, il y aura une émission comme ça.
posez vos questions. Si ce n'est pas sur le chat, bah, envoyez par mail, toutes vos questions par mail sur cette émission qu'on fera. Et on répondra à toutes les questions qui seront posées, par exemple. Donc répondez, voilà, sur le chat, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On peut commencer par le chat même. Et même par mail, envoyez par mail. Et on fera une émission en couple. Voilà, on est mariés, donc voilà, on est mariés depuis des années déjà. Donc moi, pour ma part, ça fait 10 ans que je suis marié, 15 ans que je suis avec ma femme. Donc, et dans l'équipe aussi, il y a d'autres frères et soeurs qui sont mariés depuis pas mal d'années. Donc voilà, on est, voilà, c'est, on prêche ce qu'on vit en vérité. On prêche ce qu'on vit. Donc le Seigneur est fidèle. Et donc voilà les amis, mes frères et sœurs, soyez fortifiés, soyons fortifiés. Et que le Seigneur nous protège de toute attaque bizarre de l'ennemi au nom puissant de Yeshua. Je vais vous laisser. Bonne soirée tout le monde. Et on va passer un chant comme je vous ai dit. On va passer un chant en attendant. Et vous pouvez suivre ce chant et en attendant, et pendant que le chant défile, vous pourrez poser vos questions que vous aimez qu'on partage sur le couple, l'émission Couple en Yeshua. Et donc voilà, et s'il y a des baptêmes, des conversions, enfin des baptêmes plutôt, dites-le et on va, comment dire, s'organiser si le Seigneur permet. Donc voilà mes frères et sœurs, à bientôt, bon Dieu bon, voilà ça sera créole, bon Dieu bon, bon Dieu piquez la nous, bon Dieu pas oublier nous, bon Dieu aimez peuple, aimez peuple. En gros le Seigneur aime son peuple, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Donc voilà, on veut évangéliser tout le monde, c'est pas que un peuple, pas que la Guadeloupe, pas que la Martinique. De temps en temps, le Seigneur permet qu'on fait des émissions Caraïbes, mais on veut prêcher la parole à toutes les nations. Toutes les nations, et on aime toutes les nations pareillement, au nom de Yeshua. Voilà. Et bonne soirée tout le monde, à bientôt, que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, Père. Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu avais déjà payé le prix pour moi avant que je naisse, Père. Tu es merveilleux, Père. Oh, Yeshua. Yeshua. Tu m'as aimé avant que je naisse. Tu m'as aimé avant que je naisse, tu as payé. Avant que je naisse, tu as payé le prix pour moi. Tu m'as aimé avant que je naisse, tu me connaissais. Avant que je naisse, tu as payé. Avant que je naisse, tu as payé le prix pour moi. Yahweh, oh, oh, oh Yahweh, Yahweh, oh, oh, oh Yahweh. Yahweh, oh, 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 Yahweh, tu t'es sacrifié pour moi. Yahweh, oh, 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 Yahweh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, tu as payé le prix pour moi. Tu m'as aimé, tu m'as aimé avant que je naisse. Tu m'as aimé, tu m'as aimé avant que je naisse. Avant que je naisse, tu as payé le prix pour moi. Tu m'as aimé avant que je naisse, tu me connaissais. Avant que je naisse, tu as payé. Avant que je naisse, tu as payé le prix pour moi. Yahweh, oh, 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 Yahweh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, Yahweh. Sacrifié pour moi, Yahweh, oh, 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 Yahweh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, tu as payé le prix pour moi, Yahweh, oh, 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 Yahweh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, tu t'es sacrifié. Yahweh, oh, 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 Yahweh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, tu as payé le prix pour moi. Je n'ai rien mérité, je n'ai rien mérité, et je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Je n'ai rien mérité, mais tu t'es sacrifié pour moi.
je n'ai rien mérité, je n'ai rien mérité, et je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je n'ai rien mérité, tu as payé le prix pour moi. Garde-moi